Dear colleagues, good morning. Chers collègues, bonjour, bon après-midi, bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien, dit le président. Hier, nous avons entamé l'examen du point 3 à l'ordre du jour relatif au cadre mondial pour l'après 2020 pour en terminer la première lecture. Vous vous souviendrez que ce point avait été examiné au cours de notre session informelle du 17 et 18 février dernier. À ce moment-là, nous avons entendu les interventions de 48 partis et groupes régionaux, une présentation écrite additionnelle, 18 observateurs et 20 présentations écrites de leur part. Hier, nous avons entendu 34 autres interventions des partis et groupes régionaux au titre de ce point. Je voudrais mentionner que bien que la séance d'hier se soit bien déroulée, certains participants ont connu quelques difficultés techniques pour ce qui est de se brancher à la réunion et parfois ont été déconnectés. Le secrétariat travaille fort à améliorer la situation. Nous vous demandons votre patience. Je voudrais vous rappeler que si une difficulté technique se pose à vous, veuillez utiliser le point d'interrogation vert à droite au bas de l'écran de la page d'accueil de la réunion afin de demander de l'aide technique. Malheureusement, nous ne Donc, j'enverrai un autre message, c'est-à-dire que le secrétariat a un message à ce sujet. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Petite annonce. Nous vous demandons de ne pas conserver le lien interaction dans votre browser, puisque les réunions des groupes de contact se font à partir d'un lien différent. Donc, allez sur la page d'accueil de Sopsta et ensuite dans le calendrier, choisissez la séance à laquelle vous souhaitez participer et il y aura un lien, que ce soit speaker ou viewer, donc intervenant ou participant. Merci, secrétariat. Donc, j'espère que ce message aidera tous les participants. Chers collègues, malheureusement, hier, nous n'avons pas pu terminer la première lecture de ce point. Nous avons manqué de temps. Je voudrais donc vous rappeler, chers collègues, que nous avons un horaire très serré. Nous allons passer peu de temps ensemble. Et déjà, nous accusons un retard important par rapport à notre calendrier, ce qui pourrait se répercuter sur tout le déroulement de la réunion. Déjà, nous n'aurons pas le temps aujourd'hui d'entamer la première lecture du point 8 de l'ordre du jour, le programme de travail de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et services écosystémiques, IPES, et il faudra peut-être reporter l'examen de ce point à l'ordre du jour au prochain bloc de plénière du 23 au 26 mai. Après consultation avec les membres du bureau hier, au sujet du point 3, nous avons convenu de procéder comme suit. Nous allons tout d'abord entendre les interventions des cinq parties sur la liste d'hier. Ensuite, nous donnerons la parole aux non-parties et aux grands groupes de parties prenantes, à savoir les PACL, les organisations de femmes, les jeunes,
l'alliance de la CBD au nom des ONG et des gouvernements infranationaux et une déclaration conjointe au nom de la Bonfuy Foundation, Centre de la diversité biologique, Fondation de la Fonde David Shepherd, Defenders of Wildlife, Environmental Investigation Agency, la Fondation Franz Weber, le Fonds international pour le bien-être des animaux, Pro Wildlife, Natural Resources Defense Council, Société de conservation de la faune et Fédération mondiale pour les animaux. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de donner la parole à d'autres observateurs. Lorsque nous avons vérifié la dernière fois, nous avions reçu des déclarations écrites des observateurs suivants. Le PNUE, la Commission du patrimoine mondial de l'UNESCO, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, l'Université des Nations Unies, l'Initiative internationale pour les récifs coralliens, le Réseau des aires protégées de la Méditerranée, la Société de conservation de la faune, la SBCSD, Geobon, la International Fertilizer Association, Recherche et développement des océans côtiers, Océan Indien, Coalition mondiale des forêts, Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire et le World Business Council pour le développement durable. Toutes ces déclarations, ainsi que celles qui ont été transmises ou qui seront transmises aujourd'hui jusqu'à la fin de la journée, seront affichées et mises à disposition pour examen, discussion à l'égard des éléments du non-document du CRP et par aussi les coprésidents du groupe de travail composition non limitée. Je souhaite vous rappeler que je limiterai les interventions des parties à 3 minutes, 2 minutes pour les non-parties, 4 minutes au nom des grands groupes. Puisque le temps est limité, vous avez une horloge à l'écran pour vous aider à gérer votre temps. Encore une fois, je vous prierai de vous en tenir à la limite de temps tout en parlant lentement et clairement. Je rappellerai aux intervenants de télécharger tout le texte de leur déclaration conformément aux instructions qui ont été données. Veuillez noter que les points saillants devraient être lus dans la salle. S'il y a des problèmes de connectivité, s'il vous plaît, contactez le secrétariat pour prendre d'autres dispositions. Quand nous avons levé la séance hier, les partis suivants étaient sur la liste des orateurs: Éthiopie, Danemark, Pérou, Sénégal et Cambodge. Lorsque nous aurons donné la parole à toutes les parties sur cette liste, je donnerai la parole au groupe de parties prenantes. Je vais donc donner la parole à chaque partie, une après l'autre, donc ne levez la main que lorsque je donnerai votre nom. Donc tout d'abord, je donne la parole à l'Éthiopie. Veuillez lever la main, vous avez la parole Éthiopie. Merci, Monsieur le Président. Nous appuyons la déclaration faite par l'Afrique du Sud au nom de l'Afrique. L'Éthiopie remercie le secrétariat et d'autres qui ont contribué à la préparation de la réunion, organiser aussi les réunions virtuelles. Nous pensons que la discussion permettra de contribuer au cadre post-2020, donc cela sera mis à jour avant la réunion du groupe de travail. Nous pouvons appuyer les indicateurs phares
et les indicateurs de composantes et complémentaires. Mais nous pensons que les questions suivantes doivent être prises en compte. Le cadre du suivi et les indicateurs devaient être affinés afin d'être mis en œuvre par toutes les parties. Dans la réalité, nous pensons que les indicateurs phares doivent aussi être utilisés pour la rédaction des rapports nationaux des parties. Deuxièmement, le GBF post-2020 doit être structuré de façon équilibrée en fonction des trois objectifs de la CBD. Et finalement, nous recommandons de mettre l'accent sur le renforcement des parties afin de mettre fin au déclin de la biodiversité. Merci, Monsieur le Président. Merci, Éthiopie, d'avoir été concis. Maintenant, le Danemark a la parole. Merci, Monsieur le Président. Le Danemark appuie les déclarations, les commentaires écrits de la Suède, du Portugal, de la Finlande et de l'Union européenne. Et outre ce que nous avons dit pendant la réunion virtuelle, j'aurai trois observations. Tout d'abord, le Danemark s'est joint à la coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples en vue de protéger 30% des terres et des océans afin d'assurer la mise en œuvre du GBF post-2020. Indicateur phare pour la cible 2 devrait être reflété pour ce qui est de la quantité, 30%, et la qualité de cette protection. En outre, la mise en œuvre doit pleinement respecter la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones, UNDRIP. Des indicateurs de qualité mesurables sont essentiels pour s'assurer que les aires protégées par les OOCM, les aires protégées sont vraiment protégées. Deuxièmement, pour appuyer le suivi de la biodiversité marine, le Danemark propose d'inclure les indicateurs dans la biodiversité des océans régionaux, donc le rapport du PNUE, et que ce soit inclus dans le cadre pour l'après 2020. Finalement, pour ce qui est du document AD2 révisé, le Danemark estime que l'utilisation durable des secteurs de production devrait être plus clairement reflétée dans le GBF, notamment mettre l'accent sur les secteurs de production qui sont des facteurs de perte de biodiversité, par exemple infrastructures, forêts, pêche, et qui ne sont pas mentionnés dans les projets de cible. Merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole au Pérou. Ensuite, ce sera le Sénégal. Vous avez la parole, Pérou. Nous vous écoutons. Merci. Bonjour. Pérou reconnaît les travaux de la secrétaire exécutive dans l'élaboration de la documentation. Nous avons un écosystème marin très productif. C'est une richesse en biodiversité et la gestion durable de ces espaces est reconnue à l'échelle mondiale. Le Pérou fournit aussi l'aide technique pour la gestion de ces 3000 km de côte et 30% font l'objet de plans de gestion côtière et cela contribue à la conservation des écosystèmes, la gestion des ressources halieutiques et réduction des plastiques. Nous avons aussi une approche durable pour l'environnement. Je voudrais aussi mentionner que le Pérou travaille à un projet pilote à l'égard de la planification spatiale en vue de vérifier la santé des océans dans le nord du pays. Nous pouvons donc mettre en place des mesures de gestion durable pour les écosystèmes côtiers
du Nord. Nous allons aussi créer une aire naturelle protégée pour les écosystèmes qui couvrira plus de 6000 kilomètres carrés, et ainsi nous reconnaissons la valeur des AIEB. Elles doivent être bien décrites et c'est un exercice scientifique et technique, et ce sera la base d'activités de gestion conservation de la biodiversité. Mais étant donné les caractéristiques de nos écosystèmes qui sont source de revenus pour les collectivités côtières, ces systèmes nationaux doivent faire l'objet d'une meilleure analyse en fonction des besoins du pays. Nous nous félicitons des progrès réalisés pour ce qui est de l'identification, modification des AIEB et aussi pour décrire de nouvelles aires. Mais nous pensons aussi qu'il serait bon de mettre en place un groupe d'experts à l'égard de la description de ces aires et ce sont les États responsables qui devraient être consultés. Il faut aussi respecter les droits souverains des États, les intérêts des pays. Monsieur le Président, nous allons fournir nos contributions également par écrit au secrétariat. Merci, Pérou. Je voudrais demander que cette intervention portait sur la biodiversité marine, alors que ce point n'a pas encore été ouvert à l'examen. Donc, je vous prierai d'être bref et d'adresser tout d'abord le point 3 sur le cadre mondial pour l'après 2020. Donc, nous allons passer tout à l'heure au point 6, à la biodiversité marine. Et j'ai maintenant dans la liste qui a été fermée, le Sénégal et le Cambodge. Mais je pense, donc selon ce que me dit le secrétariat, que deux pays avaient demandé la parole hier, Cameroun, la Chine et l'Inde. Donc maintenant, la liste des interventions de la part des partis est close et je vous demande votre collaboration afin que nous puissions poursuivre l'examen de ce point. Donc maintenant, je donne la parole au Sénégal, ensuite le Cambodge et le Cameroun. Sénégal, vous avez la parole. Bonjour. Go ahead, Sénégal, we'll hear you. Allez-y, Sénégal, nous vous entendons. Sénégal, continue. Sénégal, est-ce que vous êtes là? Donc, en attendant, le Cambodge a la parole. Merci, Monsieur le Président. Le Cambodge note que l'examen de la mise en œuvre du plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 est les NBSAP contribueront au succès du cadre mondial pour l'après-2020.
Systematic and comprehensive studies should be considered as lessons. Les études devraient être considérées pour en tirer des enseignements et les incorporer dans le GBF. Il faut apprendre davantage sur les cibles d'Aichi et les interpréter afin de mettre en œuvre le cadre mondial pour la cible 18 sur la mobilisation des ressources, les pourcentages réalistes d'augmentation des ressources financières devraient être garantis pour réaliser ces cibles. Une synthèse des rapports, notamment les données sur les cibles d'Aichi, devrait être mise en place. Cela devrait être un pilier du GBF post-2020. Le GBF post-2020 devrait également permettre au pays d'avoir voix au chapitre dans le programme de travail. Le nouveau cadre, notamment les cibles, devrait être présenté afin de toucher toutes les couches et les niveaux de la société. Ils doivent être inspirants pour atteindre les objectifs. Certaines cibles sont trop larges et nous aimerions voir une nouvelle cible pour soutenir la recherche scientifique et la technologie pour assurer la conservation des ressources biologiques. Nous suggérons d'utiliser des indicateurs pertinents qui sont utilisés par d'autres conventions et processus, les ODD, notamment pour établir donc un ensemble commun. Le cadre post-2020 devrait être un outil de communication et des cibles devraient appuyer et renforcer les objectifs de développement durable. Nous allons soumettre nos propositions par écrit au secrétariat. Nous allons retourner au Sénégal. Sénégal, vous avez la parole. Sénégal? Il y a encore des problèmes de connectivité avec le Sénégal. Passons au Cameroun, suivi de la Chine. Cameroun. Passons donc à la Chine. Chine, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Grâce à la coopération des parties, ces réunions ont été organisées. Nous apprécions l'esprit de coopération montré par tous les partis. Nous remercions le bureau et le secrétariat pour les efforts déployés. Nous croyons fermement que l'esprit de coopération veillera et assurera des progrès. Nous fournira une garantie pour le succès de nos entreprises. La Chine appuie l'organe subsidiaire conformément à ses autorisations, adhérant au principe de l'ouverture, de la transparence, afin de mener des examens scientifiques et techniques sur les cibles et les objectifs et les références en vue de les améliorer. Il est important de fournir des avis scientifiques pour veiller à ce que les objectifs et cibles du cadre post-2020 soient pragmatiques, ambitieux, équilibrés. Le cadre post-2020 et son cadre de suivi sont la base de la planification des actions nationales, des rapports et de l'examen des processus de mise en œuvre. Des bons indicateurs de suivi pourront améliorer la qualité des rapports nationaux.
Leur conception doit examiner le cadre du le cadre post-2020, évaluer les mesures de protection, les données. Nous sommes d'avis que l'établissement des indicateurs du cadre de suivi devrait être fondé sur des données probantes et assorties d'objectifs et refléter les trois objectifs de la Convention. On doit également prendre en compte la nécessité d'utiliser de façon durable le développement. En fait, l'état des choses post-pandémique. Des orientations claires sont nécessaires pour l'élaboration des indicateurs. Le cadre de suivi devrait être pragmatique, simple et opérationnel. Il doit prendre en compte les différences en matière de capacité de surveillance des parties pour éviter d'imposer des fardeaux sur les pays en développement. Des fonds et du soutien financier devraient être offerts. Certaines régions ont proposé des améliorations pour les indicateurs de suivi. Nous recommandons que les contacts, le groupe contact, donc, se penche sur cette question et souligne les indicateurs principaux. L'amélioration de ce cadre de suivi est un processus scientifique de longue haleine. Le processus devrait être constamment amélioré afin que la COP15 soit saisie de ces améliorations et de cette réalisation et que nous puissions former un consensus quant à ces indicateurs principaux. Les experts continueront à commenter sur le cadre au-delà de la COP15. Le cadre de suivi devra être amélioré en continu et nous continuerons à contribuer à ces discussions. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci de respecter votre temps de parole. Retournons au Sénégal. Sénégal, vous avez la parole. Je m'excuse des désagréments techniques qui viennent de survenir indépendants de notre volonté. Le Sénégal souscrit à la déclaration de l'Afrique du Sud au nom du groupe africain. Je rappelle que le Sénégal avait fait une déclaration lors de la session informelle et donc ne va pas répéter ce qu'il avait dit, mais essayer de venir en appui à ce qui avait été dit. C'est ainsi que le Sénégal prend la parole pour soutenir une partie du document acte 2, rêve 1 de l'organe subsidiaire, surtout le libellé soulignant que de nombreuses propositions scientifiques récentes convergent vers la protection d'au moins 30% de la surface terrestre et marine d'ici 2030, et ceci est décrit comme étant à la fois faisable et nécessaire. Donc nous attendons avec intérêt de plonger dans le groupe de contact pour discuter plus en profondeur des fondements scientifiques de cet objectif minimum de protection de 30% d'ici 2030 pour les aires terrestres et océaniques. Monsieur le Président, nous sommes également impatients de discuter de nos recommandations spécifiques sur les voies et moyens de traiter de la qualité des aires protégées et conservées attribuées à l'objectif 2. Nous devons nous concentrer sur la précision avec laquelle les indicateurs que nous mettons en place reflèteront les progrès nécessaires d'ici 2020. Et pour terminer, Monsieur le Président, nous devons être ambitieux. Nous avons besoin d'ambition face à cette situation sanitaire mondiale. Et donc, nous avons besoin de survivre à la COVID-19. Je vous remercie, Monsieur le Président. Muchísimas gracias. Ahora doy la palabra a... Merci. Je donne la parole au Cameroun, suivi de l'Inde. Permettez-moi tout d'abord de présenter les condoléances du Cameroun à toutes les familles pour les décès du professeur Bob Schultz. Le Cameroun s'associe à la déclaration faite par l'Afrique du Sud. Nous voudrions saisir cette occasion
pour apprécier, remercier le secrétariat pour les efforts déployés, pour maintenir la dynamique en vue de la COP15. Il est important d'avoir une approche inclusive, sans oublier les parties, les non-parties, les autres parties prenantes qui ont enrichi nos diverses discussions. Nous ne pouvons pas continuer à faire les choses comme si de rien n'était. La science ou l'IBES le dit clairement, c'est que c'est maintenant ou jamais que nous devons apporter le changement transformateur nécessaire pour infléchir la courbe de la perte de diversité et conduire à une nouvelle donne pour les personnes et la nature en créant un monde positif pour la nature où l'humanité pourra vivre en harmonie avec la nature d'ici 2050. Dans cette perspective, en se référant au GBF, le Cameroun pense qu'il y a encore un besoin d'objectifs et d'indicateurs pour aller au-delà de la simple description de l'état de la biodiversité, mais aussi pour permettre de mesurer les progrès vers la conservation, restauration et utilisation durable de la biodiversité. Toutefois, certains indicateurs, tels que présentés dans le cadre mondial post-2020, mettent en lumière la nécessité et l'importance du renforcement de capacités, du transfert de technologies, de l'échange d'informations pour une mise en œuvre et un suivi efficace du cadre. En outre, nous pensons qu'au-delà du fait que certains indicateurs peuvent ne pas être mesurables, ils ne permettent pas de suivre les échecs dans la perspective de la conformité et de la responsabilité des parties. Nous nous référons ici, mais pas uniquement, aux indicateurs B01, 2 et 601, dont le suivi nécessitera clairement un renforcement des capacités, en particulier pour les pays en développement. Et enfin, le Cameroun regrette également la soumission tardive de certains documents de travail essentiels. Une telle situation n'a pas permis de faire une analyse approfondie en temps opportun. Nous espérons que cela n'aura aucune incidence sur la qualité du document qui sera transmis au coprésident du groupe à composition non limitée. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je cède maintenant la parole à l'Inde. Microphone pour l'Inde. Est-ce que vous m'entendez? C'est audible? Oui, allez-y. L'Inde assure actuellement la présidence de deux conventions, la convention sur la conservation des espèces migratrices et une sur la lutte contre la désertification, qui sont toutes deux très importantes en matière de conservation de la biodiversité. L'Inde déclare que le cadre mondial pour la diversité post-2020 doit avoir une cohérence avec l'agenda 2030 pour le développement durable, l'accord de Paris, l'objectif de neutralité de la dégradation des terres, le plan stratégique des Nations Unies pour les forêts et le plan stratégique Ramsar. Le GBF post-2020 devrait s'appuyer sur les progrès réalisés dans la réalisation des objectifs d'Aichi, les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et limités dans le temps. Le GBF post-2020 doit aborder de manière équilibrée les trois objectifs de la Convention. Reconnaître le lien crucial entre la biodiversité, les pandémies, la santé et l'éradication de la pauvreté, notamment en s'adressant aux populations les plus vulnérables, doit également reconnaître le lien entre la biodiversité, les systèmes écosystémiques, l'eau, l'air, les sols propres. La restauration des terres est la meilleure mesure et la meilleure solution à la perte de biodiversité. L'Inde
exhorte d'intégrer les moyens de mise en œuvre et de mobilisation de ressources dans le cadre. Cela doit inclure des dispositions pour le financement des actions en faveur de la biodiversité, la coopération, le transfert de technologies, car ce sont des objectifs et des obstacles à la réalisation des objectifs d'Aichi. Il doit également y avoir des dispositions spécifiques de partage de bénéfices et d'avantages de l'utilisation commerciale et non commerciale des informations de séquençage numérique sur les ressources génétiques, et on doit également faire en sorte de mettre en œuvre un suivi et une révision efficace du cadre mondial. Merci. J'ouvre maintenant la séance pour les interventions des grands groupes. Chaque intervention ne devrait pas dépasser 4 minutes. Donc, au nom des PACL, IIFP, vous avez la parole. Donc, microphone au PACL IFB, s'il vous plaît. S'ils ne sont pas prêts, nous allons passer au nom des femmes. Anna de Pangracio de la FARN, vous avez la parole. Bonjour, de Buenos Aires, je parle au nom du Caucus des femmes. Nous remercions le secrétariat pour les documents qui ont été fournis pour faciliter notre participation. S'agissant du document 3A2-1, paragraphe 143, la cible 20, nous reconnaissons l'importance de reconnaître les femmes, notamment les PACL, les femmes, les jeunes, comme étant des acteurs clés. Toutefois, nous ne voyons pas d'orientation claire. Nous avons une recommandation pour la section 5, portée des objectifs paragraphe 151. On pourrait dire le genre est une considération importante dans le cadre et des actions spécifiques au genre devraient être identifiées pour toutes les cibles. Alors que le rôle des détenteurs de droits dans la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité a été reconnu dans de nombreuses décisions, aucun objectif ou cible n'est proposé pour reconnaître les droits de gouvernance des PACL, y compris les droits des femmes, malgré les preuves scientifiques croissantes, dis-je, que c'est l'approche la plus efficace pour la conservation de la biodiversité pour contrer la perte de celle-ci. Comme on l'a noté, des données ventilées ne sont pas recueillies et cela devrait être fait pour obtenir davantage de renseignements. Il est important d'avoir des données ventilées sur le sexe dans tous les indicateurs liés aux humains, tels que recommandés par le WMC. L'approche 20 devrait aller au-delà de la participation et mettre l'action sur l'avancement de l'égalité entre les genres et l'habileté des femmes. On dit également que la mise en œuvre du GBF aura une approche fondée sur les droits. C'est un aspect crucial que nous saluons, mais nous considérons que cette approche n'est pas reflétée dans les cibles, objectifs ou les indicateurs. Et dans un document élaboré, nous avons fourni des suggestions textuelles pour mieux intégrer cette approche fondée sur les droits dans le cadre post-2020. Nous encourageons les parties à examiner ce document. Le lien se trouve dans notre déclaration en ligne. Pour conclure, nous
Nous soutenons également les préoccupations concernant la nécessité d'éviter toute régression dans le cadre mondial et dans le processus décisionnel. Nous espérons vivement que nous pourrons compter sur le soutien des intervenants et veiller à ce que le genre soit intégré dans le nouveau cadre post-2020. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Au nom des PACL, ni Madame Nia, merci de me donner la parole. Je parle au nom du IIFB. Nous apprécions tous les efforts déployés pour maintenir la dynamique du GBF post-2020. Nous souhaitons exprimer des inquiétudes. Les négociations virtuelles seront très difficiles pour les PACL, notamment pour les femmes, les jeunes, en raison des raisons de connectivité. Results to be reflected in the text. Our participation. Notre participation ne doit pas être en deçà des décisions de la COP, étant donné le changement dans les circonstances, le temps très limité alloué au PACL. L'IIFB a besoin d'assurance des parties, du président, du bureau et d'autres, que nos propositions seront prises en compte dans les documents de travail soumis au groupe de contact ou dans les CRP. Outre notre déclaration, au cours de la séance, nous recommandons l'adoption des indicateurs afin de vérifier la contribution des PACL à l'élaboration du cadre mondial pour l'après-2020 et avoir la participation des PACL sous les auspices de la 11e réunion du groupe du 8G. En plus des délibérations de l'ATEG. De plus, le mandat de l'ATEG doit assurer la pleine et effective participation des PACL. L'indicateur portant sur la propriété foncière, décision 1043, sur la propriété foncière dans les territoires des PACL correspond à l'indicateur 1.4.2 des ODD. Nous estimons que cet indicateur remplit les critères des indicateurs phares pour ce qui est des objectifs 1, 2, 8 et 20. Et le document doit saluer le LBO2 en plus du GBO5 en tant que base scientifique pour l'élaboration du GBF pour l'après-2020. Donc GBO5, LBO2, l'évaluation DIPES et d'autres études confirment qu'habiliter la co-gestion par les PACL et leur droit à l'autodétermination et à la gouvernance, tout cela est crucial à l'utilisation durable et à l'accès et au partage des avantages sur toute la planète. Nous regrettons que ces études ne soient pas prises en compte de façon appropriée dans le document AD 2. Nous fournissons une liste de références dans notre document écrit. Nous espérons que ce sera pris en compte par le groupe de contact. Il faut que l'on inscrive dans le cadre mondial ce qui est requis pour une gestion efficace et équitable des ressources de la biodiversité. Tous les objectifs doivent être alignés sur cet objectif ultime, car il continue d'y avoir des abus. On le sait, selon le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des autochtones, et il faut avoir une cible pour protéger 30% de la planète, car cela comprendrait des aires qui sont déjà gérées par des PACL. L'IIFB est impatiente de participer aux discussions du groupe de contact. Merci, Président. Merci beaucoup. Maintenant, au nom de la jeunesse, GIBN.
Merci, Monsieur le Président. Nous souhaitons confirmer que toutes les questions faites par le GYPN lors des sessions informelles demeurent valides et demandons qu'elles soient prises en compte dans l'élaboration des CRP. Pour ajouter à nos déclarations précédentes, nous souhaitons faire la remarque suivante. Tout d'abord, les objectifs et cibles proposés ainsi que les documents proposés au titre de ce point n'incluent pas les droits de l'homme en tant que question transversale. Il doit y avoir synergie entre droits de l'homme et résultats en matière de biodiversité, tenir compte de l'évaluation de l'IPES, du LBO2, des rapports de différentes organisations. Deuxièmement, le cadre ainsi que le document 3AD2 ne reconnaissent pas suffisamment le large consensus international qui estime que l'éducation est un facteur important en faveur de du développement durable. Le rôle de l'éducation formale, officielle et non officielle a été reconnu. Elle facilite le lien avec la nature, le changement de comportement et c'est la clé pour mettre fin à une consommation non durable. Troisièmement, il y a déséquilibre pour ce qui est du traitement des trois objectifs de la CBD dans le projet. On ne mentionne pas de façon suffisante l'accès et le partage des avantages. Les cibles à l'égard de la production d'utilisation durable sont insuffisantes. On met peu l'accent sur les secteurs de production et changement de comportement de la part des consommateurs. Quatrièmement, si le terme « solution fondée sur la nature » est utilisé dans le cadre, il faudrait que ce soit mieux défini et qu'il y ait des sauvegardes convenues entre toutes les parties et parties prenantes. Plusieurs évaluations montrent que ce concept est malheureusement utilisé pour permettre de la monoculture, donc il faut prévoir des sauvegardes dans le contexte de la CBD. En attendant, nous souhaitons qu'on utilise plutôt l'expression « approche écosystémique ». Cinquièmement, comme l'indique le document 3A2, les approches de gain net ou aucune perte nette, eh bien, elles ne sont pas qualifiées, ne sont pas précisées et nous pensons qu'une telle approche de gain net ne devrait pas être utilisée dans le cadre pour l'après 2020 sans s'assurer que ce n'est pas utilisé pour entraîner une érosion encore plus grave d'écosystèmes cruciaux. Finalement, nous signalons que le projet est un recul à l'égard de bien des objectifs d'Aichi, de décision de la CBD. Il ne faut pas accepter de recul, il faut reconnaître le besoin d'améliorer de façon radicale le projet actuel. Finalement, nous demandons l'appui des parties à la proposition suivante pour l'annexe 2 au paragraphe 3, ajouter représentation des principales parties prenantes, principaux détenteurs de droits après représentation géographique. Au paragraphe 6, ajouter les jeunes, peuples autochtones et communautés locales et les femmes après les termes des gouvernements. Et au paragraphe 1C, ajouter suivi et système de formation en milieu communautaire après sciences des citoyens, après ce terme. Donc, merci. Merci. Je donne la parole maintenant à l'Alliance de la CBD. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Salutations à tous. Cette déclaration est faite au nom de l'Alliance de la CBD qui représente diverses opinions. Point de vue. Je voudrais tout d'abord répéter notre préoccupé pour ce qui est de la discussion d'objectifs et de cibles qui n'ont pas encore été convenus, font pas partie du mandat de l'OEG 2. Deuxièmement, nous soulignons
le peu de mise en œuvre des obligations en vertu de la CBD. Par exemple, dans le projet actuel du GBF, on ne mentionne pas la perte d'écosystèmes intacts, surtout les forêts primaires, et on ne renforce pas l'objectif d'Aichi numéro 5. Pour ce qui est de la cible 1, on mentionne 50% sans tenir compte d'un aspect clé, la gouvernance et l'utilisation de ces aires. L'objectif d'Aichi 3 est affaibli par la cible 17, car on parle d'éliminer uniquement les incitatifs les plus néfastes. Les obligations des États de réglementer les modalités de consommation sont réduites à une vague référence au choix des consommateurs sans tenir compte du rôle important des gouvernements pour ce qui est de mettre en place une réglementation appropriée. La cible C est aussi un recul par rapport à l'ODD 15.5 qui prévoit l'arrêt de la perte de biodiversité en 2030. La cible 9 mentionne d'accroître la productivité des écosystèmes agricoles, alors que l'objectif d'Aichi 6 exige une gestion durable de toutes les aires, agriculture, aquaculture et forêt. Ensuite, il y a une cible de 30% d'étendre les aires protégées sans mentionner la gouvernance équitable ou les ICCA et un terme comme solution basée sur la nature sans qu'il y ait une définition, eh bien, on se sert de cette expression pour des incitatifs parfois très néfastes et au minimum, tous les éléments inclus dans l'objectif d'Aichi 11, y compris l'équité et le consentement préalable, doivent être inclus. Et la version la plus récente ne mentionne pas des aspects cruciaux comme les droits de l'homme, les besoins et aspirations des détenteurs de droits comme les peuples autochtones et autres. Il y a de vagues références et aucune garantie contre les infractions de droits de l'homme. Il n'y a pas d'équilibre entre les trois objectifs de la CBD dans toutes les cibles et indicateurs proposés. Et nous réitérons notre préoccupation, il faut travailler. Nous ne pouvons pas accepter l'avant-projet parce que les indicateurs ne sont pas fondés sur une discussion des objectifs et cibles. L'indicateur 14.0.2 sur les rapports des entreprises, sur le développement durable est tout à fait inadéquat. Et pour ce qui est de la cible 15.0.2, il faut une réglementation et rectification des inégalités. Nous continuons de croire que les pays en développement sont désavantagés dans le contexte de ces négociations internationales. Toutefois, nous participons de bonne foi afin d'amplifier la voix des groupes désavantagés. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Gadir. Merci de participer au débat dans le contexte de la Convention. Et toutes les interventions seront prises en compte également par les co-présidents du groupe de travail sur le GBF post-2020. Je vous rappelle, le SUPSTA n'a pas le mandat de négocier les objectifs et les cibles, mais toutes vos interventions seront prises en compte par les co-présidents de la prochaine version du projet de GBF post-2020. Maintenant, au nom des gouvernements infranationaux, Madame Grace Johans, vous avez la parole. Les gouvernements infranationaux. Il me fait plaisir de représenter aujourd'hui le comité consultatif des gouvernements infranationaux, coordonné par Regions 4 et le gouvernement du Québec, ICLEI, GOALS, le Communauté européen des régions et l'ensemble des partenaires du processus d'Édimbourg.
Bien qu'il aurait été un plaisir de vous accueillir dans la belle province de Québec, nous sommes heureux de pouvoir reprendre les négociations sur cet agenda urgent. Nous espérons que ce format virtuel offrira un espace équitable pour toutes les parties prenantes. En ce qui concerne l'attention particulière demandée sur le document A2 révision 1 pour cette session, même si nous avons également eu très peu de temps pour examiner et analyser le nouveau document révisé, nous avons voulu saluer certaines des mentions faisant référence aux gouvernements locaux et infranationaux dans le document de contexte scientifique et technique soutenant les objectifs et les cibles du cadre mondial, en particulier l'importance d'une mise en œuvre applicable à tous les niveaux de gouvernement. Can you slow down a little bit so interpreters can help you? Thank you. Yes. Ceci étant dit, nous croyons fermement que nous devrions référer plus explicitement le rôle des gouvernements locaux et infranationaux dans l'ensemble du cadre mondial et ainsi nous assurer que les indicateurs puissent se refléter et s'appliquer à toutes les échelles de gouvernement lorsque jugé nécessaire. Afin de sauver du temps aujourd'hui, nous soumettrons nos suggestions par écrit. Nous ne voulons pas répéter l'ensemble des commentaires que nous avons faits lors de la session informelle, mais pensons utile de réitérer l'importance que l'approche de suivi proposée nous permette de suivre les progrès à tous les niveaux de gouvernement. Nous proposons donc d'ajouter le niveau infranational de gouvernance aux indicateurs phares, car nous pensons que ces indicateurs devraient être applicables et utilisés par les gouvernements infranationaux dans leur propre système de rapportage. Ici encore, il nous fera plaisir de soumettre des suggestions concrètes par écrit. L'implication des gouvernements locaux et infranationaux sera cruciale si nous voulons établir des partenariats et stimuler la dynamique de changement à laquelle aspire le cadre mondial. Nous aimerions également renforcer notre rôle en contribuant à la planification, au suivi du progrès des objectifs et à la reddition de comptes. Si nous voulons obtenir une image réelle du changement transformateur sur le terrain, nous devons regrouper les actions et les solutions de tous les niveaux de gouvernement. C'est un aspect qui doit, selon nous, absolument être souligné dans le cadre mondial. Ici encore, nous soumettrons nos commentaires techniques à travers les groupes de contact et par écrit. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you very much for being very concise and brief. Merci beaucoup d'avoir été brève et concise. Maintenant, au nom de Bonne Fille Foundation, Centre Diversité Biologique, la Fondation David Shepherd, Defenders of Wildlife, la Fondation Franz Weber, le Fonds international pour le bien-être animal, Pro Wildlife, le Conseil de défense des ressources naturelles et la Fédération mondiale des animaux, Sue Lieberman du WCS, vous avez la parole. Merci beaucoup. Et je parle au nom de ces 11 ONG nationale et internationale, et aussi ceci s'ajoute à nos présentations écrites. Chaque année, il y a la demande s'accroît et les baisses prédisent que plus d'un million d'espèces pourraient faire face à l'extinction. C'est une pandémie, voilà pourquoi nous parlons à partir du domicile et sans prévention, il y aura une pandémie tous les 10 ans, puisqu'il y a commerce des espèces sur une base industrielle, nous risquons encore plus de pandémies d'origine zoonotique. Il faut donc se préoccuper de la santé de la planète. Les PACL sont particulièrement à risque, puisque le commerce des animaux nuit à leur sécurité alimentaire. La cible 4 reflète le statu quo, mais cela doit être conforme à la menace auquel nous faisons face. Notre cible où l'on ajoute le terme « sûr » ne permettra pas d'atteindre la vision de 2000 pour 2050, puisqu'on ne peut pas mesurer le risque acceptable pour prévenir la prochaine pandémie. Nous demandons aux parties de revoir la cible 4 afin de mettre fin à tout commerce ou exportation d'animaux sauvages, à moins que ce soit licite
moins gérée et qu'il n'y ait aucun risque pour la santé animale ou humaine, et que cela accroît la sécurité alimentaire des PAC. Nous devons faire le suivi de tout type de commerce et non pas seulement le commerce illicite, et le faire toujours au moyen d'indicateurs. Et le commerce peut être licite, mais non pas durable. Il peut être durable et présenter quand même un risque zoonotique. Les pathogènes ne se préoccupent pas si le commerce est licite ou illicite. Nos organisations sont donc heureuses de pouvoir participer aux groupes de contact au titre de ce point et vous appuyer, vous les parties, pour vous permettre d'adopter le changement transformateur dont a besoin le monde naturel et nous tous pour prévenir la prochaine pandémie. Merci beaucoup. Merci de votre intervention au nom de ces 11 organisations. Je rappelle aux autres observateurs de bien vouloir télécharger leur déclaration avant la fermeture des bureaux aujourd'hui, hors de Montréal. Nous venons de passer une heure déjà sur ce point et nous avons terminé la première lecture du point 3 de l'ordre du jour, le cadre mondial pour la biodiversité post-2020. Nous avons eu une discussion très riche, nous avons entendu des points intéressants en plus de ce que nous avions déjà entendu en février. Sur de nombreux points, il y a un fort consensus. Je propose la marche à suivre suivante. Sur les éléments de ce point à l'ordre du jour liés aux perspectives mondiales 5, suite aux commentaires reçus et au niveau élevé de convergence des points de vue, je préparerai un document de séance avec l'aide du secrétariat. Pour ce qui est des éléments de ce point, liés aux aspects techniques et scientifiques des buts et objectifs du cadre mondial post-2020 et du cadre de suivi suggéré. Étant donné la complexité et l'importance de cette question, l'éventail de points de vue ainsi que du temps limité pour la discussion au cours de cette plénière, je propose d'établir un groupe de contact pour aider à élaborer un CRP et un texte du président sur les conseils à fournir au co-président du processus post-2020 à partir de cette réunion. Le groupe de contact sera présidé par Anne Teller de l'Union européenne et par Jorge Murillo de la Colombie. Le groupe de contact se réunira cette semaine, mercredi, jeudi et vendredi, de midi à 15h, heure de Montréal, et samedi de 7h à 10h, heure de Montréal. Les dates de mercredi et jeudi donc nous permettront d'éviter un chevauchement avec la réunion du comité permanent de notre convention. La CITES, aucune autre session de groupe de contact ne sera organisée en parallèle. Le mandat du groupe de contact sur le point 3 est le suivant. Mercredi et jeudi, le groupe de contact travaillera sur l'examen scientifique et technique des objectifs et cibles sur la base du document A2REV1. Informations scientifiques et techniques pour soutenir l'examen des objectifs et cibles proposés dans le projet zéro actualisé du cadre mondial pour la biodiversité post-2020. Vendredi et samedi, le groupe de contact travaillera sur les questions et recommandations relatives au cadre de surveillance, le cadre de suivi, sur la base du document AD1-REV1 et un document officieux sera élaboré à cette fin. Les CRP pour le point 3 seront examinés lundi 24 mai lors de la 6e séance plénière du SOPSTA
Et ils seront disponibles dans toutes les langues au moins 48 heures avant cette séance plénière. Je voudrais dire quelques mots sur la manière dont le groupe de travail, les groupes de contact fonctionneront. Veuillez noter que vous pourrez vous connecter au groupe de contact 60 minutes avant le début de la réunion. Comme pour les sessions informelles de février, le secrétariat fournira une formation technique et des tests de 30 minutes, 30 minutes avant le début. Les sessions de groupe de contact dureront 3 heures. Une ou deux sessions de groupe peuvent être programmées par jour, mais ne peuvent se dérouler en parallèle. Ils se réuniront soit de 7 heures à 10 heures, soit de midi à 15 heures, heure de Montréal. Les groupes de contact sont ouverts à la participation de toutes les parties, des autres gouvernements et des observateurs. La pratique et les règles habituelles s'appliqueront à la participation des observateurs. Ils pourront s'exprimer à la discrétion des coprésidents et auront la parole après les interventions des parties. Toute proposition d'observateur devra être soutenue par au moins une partie. Donc, ça, c'est la pratique habituelle. Selon la pratique habituelle également, ces sessions ne peuvent être enregistrées ou partagées sur les réseaux sociaux. Notez que les groupes de contact ne sont accessibles que par le système Interaccio. Nous demandons aux parties et aux organisations de se limiter à un ou deux intervenants. Étant entendu que les autres membres de la délégation pourront suivre la discussion en tant que spectateurs et qu'ils pourront échanger leurs intervenants à tout moment. Pour maintenir l'intégrité du système, nous demandons que pas plus de deux participants de chaque partie, non partie ou observateur, se joignent en tant qu'orateur. Tous les autres pourront participer en tant que spectateur. Les groupes contacts travailleront en anglais. Les documents non officiels examinés seront en anglais. Selon la pratique habituelle, le résultat des travaux du groupe de contact sera fourni dans toutes les langues pour examen par la plénière. Voilà. Nous avons passé une heure de la séance d'aujourd'hui sur ce point. Alors, chers collègues, nous allons maintenant terminer la première lecture du point 6 de l'ordre du jour provisoire qui porte sur la biodiversité marine et côtière. Nous vous rappellerons que le point 6 a déjà été examiné lors de notre session informelle les 24 et 25 février dernier. Des interventions avaient été entendues de la part de 32 parties et groupes régionaux avec 4 soumissions écrites additionnelles, 14 observateurs et 5 soumissions écrites supplémentaires avaient été reçues. Avant d'ouvrir le bal, dans un souci d'efficacité, je demanderai aux parties groupes régionaux et aux observateurs qui feront une déclaration sur ce point de ne demander la parole que dans le cas où vous souhaiteriez apporter un complément significatif à votre précédente intervention faite lors de la session informelle et vous concentrer sur les recommandations du document 24.6. Veuillez mentionner ces changements brièvement et fournissez-les par écrit. Pour les changements mineurs, vous pouvez simplement soumettre à nouveau votre déclaration. Lors de l'élaboration du document de séance, les CRP, tous les commentaires, suggestions formulées dans vos déclarations, que ce soit en février ou aujourd'hui, seront examinées attentivement. Les déclarations d'autres gouvernements, de groupes, de parties prenantes, d'autres observateurs seront entendues si le temps le permet. Comme vous le savez, nous accusons déjà un retard. Si votre intervention est liée à des questions marines plus générales qui sont pertinentes pour le cadre post-2020, plutôt
aux recommandations du document 24-6, vous êtes invité à faire ces points dans le groupe de contact sur le point 3, au titre de la discussion sur le document A2. Il faut donc traiter les choses en bonne et due forme au titre du point 3. Donc, cela sera fait par les groupes de contact. Je vous le répète. Je donne donc la parole au secrétariat maintenant pour présenter le point 6. Pour l'achèvement de la première lecture, le secrétariat, vous avez la parole. Secrétariat. Bonjour, vous m'entendez, Monsieur le Président? Oui, très bien, désolé. Alors, merci, Monsieur le Président. Sur le point 6, le secrétariat a préparé le document CBD bar SOPSTA bar 24 bar 6 sur la biodiversité marine et côtière. L'organe subsidiaire sera invité à examiner les projets de recommandation figurant dans ce document. En outre, l'organe subsidiaire sera saisi de nombreux documents d'information relatifs à ce point que vous voyez à l'écran devant vous. Veuillez noter que lors de la session informelle, le secrétariat a reçu 55 déclarations écrites, dont 36 des partis et des groupes régionaux et 19 des observateurs. Toutes seront prises en compte, en plus des interventions faites lors de cette session formelle dans la préparation du CRP ou du non-papier pour ce point. Veuillez noter qu'il existe une présentation pour présenter ce point qui a été mise à disposition lors de la dernière session informelle. Elle reste disponible au lien affiché sur votre écran. Merci. Merci beaucoup. Au secrétariat, je donne maintenant la parole aux interventions sur le point 6 qui porte sur la biodiversité marine et côtière, en commençant par les groupes régionaux, dis-je, suivis des partis et des observateurs. Comme le temps pour les interventions est limité, une horloge est mise à votre disposition sur l'écran pour vous aider à mieux gérer votre temps. Veuillez ne pas accélérer votre lecture, car il sera difficile pour les interprètes de vous suivre. On passe aux déclarations des régions. Je ne vois pas de déclaration. La Belgique? La Belgique prendra la parole au nom de l'Union européenne? Si ce n'est pas le cas, eh bien, maintenant je donne la parole au parti. Commençons par la Belgique, suivie du Portugal et de l'Indonésie. Belgique, vous avez la parole. Je parle au nom de la Belgique. Merci de me donner la parole. Je me réfère à mon énoncé précédent du mois de février lors de la session informelle. Dans le cadre des Blue Leaders, nous travaillons pour garder l'océan au premier plan. Non. Les Blue Leaders appuient la protection de 30% des océans grâce à un réseau d'air protégé et la finalisation des négociations de nouveaux traités. En cette capacité, nous souhaitons renforcer le travail marin de la CBD. Au sujet du document dont nous sommes saisis aujourd'hui, nous souhaitons souligner notre engagement envers le processus des EPSA. C'est la raison pourquoi la Belgique, avec le secrétariat, et l'Allemagne a organisé un atelier qui est à la base des annexes du document.
Donc, nous sommes d'avis que la COP15 devrait convenir d'une procédure décrite dans l'annexe. Il est nécessaire de fonder notre processus sur des données probantes, pertinentes. Nous sommes satisfaits de la procédure décrite dans l'annexe. Nous allons proposer des modifications par écrit. Deux choses à souligner au sujet des annexes proposées. D'abord, nous sommes d'avis et nous souhaitons souligner la distinction entre le dépôt de l'EPSA et le mécanisme d'information et de partage d'information. Cela est la clé pour résoudre les problématiques qui n'ont pas été réglées lors des COP antérieures. Nous croyons qu'il y a deux arguments valides. La souveraineté nationale permet de décrire les EPSA comme bon leur semble, et également qu'une décision internationale ne peut être changée par une autre décision internationale. Afin de surmonter cette dichotomie, la procédure décrite dans les annexes propose deux voies, notamment via la COP et le SOPSTA, par l'inventaire des EPSA, ou via l'État, ou par le mécanisme de partage. Nous sommes d'avis que nous, d'abord, dans un premier temps, il faut passer par le SOPSTA pour donc l'information soit déposée dans l'inventaire. C'est également une façon de réconcilier les différentes allégations et arguments. Et donc, nous appuyons cette façon de faire. Merci, Monsieur le Président. Et salutations aux petits qui avait fait une apparition la dernière fois. Nous passons maintenant à l'Indonésie, suivie de la France. Ah, d'abord le Portugal. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, merci. Nous. Maintenant, ce qui a été mentionné lors de la séance de février, le Portugal souhaite réitérer s'agissant des EPSAS. Nous appuyons donc de séparer la recommandation en deux. L'interprète signale que l'audio passe mal. Le Portugal appuie l'identification des options pour la mise à jour et l'amélioration des descriptions des EPSAS et pour décrire de nouvelles aires. À cette fin, nous proposons de modifier le paragraphe en question pour clarifier les procédures de modification et de processus d'identification des EPSA. Le Portugal soutient le principe de la création d'un ARTEG qui devrait être ajouté au groupe consultatif tel qu'énoncé dans les annexes 3 de la décision 13, 12 et 14-9 de la COP. On devrait prolonger le mandat ou les références et y ajouter des détails dans l'annexe. Merci. L'interprète signale qu'il y avait un problème d'audio. Merci. La France, vous avez la parole. Thank you, Mr. Chair, and thank you. Merci, Monsieur le Président. L'Indonésie, plutôt, a la parole. L'Indonésie souhaite souligner que lors d'une réunion en août 2019, tous les délégués ont reconnu que les EPSA ont leur propre arrangement grâce à un document d'ACBD. L'Indonésie juge nécessaire de reconnaître toutes les contributions à ce titre de tous les partis. À cette fin, l'Indonésie propose les ajustements suivants. Annexe 1, paragraphe 1A, nous proposons d'ajouter le mot organisation au pluriel
pour qu'on puisse lire collaboration avec les organisations compétentes, experts et les détenteurs de connaissances, considérant bon nombre d'organisations intergouvernementales disposant de renseignements sur certains sites, devant être consultés. Annexe 2, 1A, considérant la réglementation du dépôt ou de l'inventaire d'EPSA adopté, nous proposons de changer le libellé. Lorsque examiné par l'organe subsidiaire, etc., la nouvelle phrase pourrait se lire « Description des aires satisfaisant aux critères des EPSA qui ont été adoptés par la conférence des parties, etc. » Pour ce qui est de l'annexe 3, paragraphe 1, C, nous proposons d'indiquer significant change, changement considérable, parce que si le changement est mineur, modifier un EPSA n'est pas nécessaire. Ainsi, le nouveau libellé pourrait se lire changement considérable dans la caractéristique biologique ou écologique d'un EPSA. À l'annexe 4, pour être conforme au paragraphe 1B, nous proposons d'ajouter ceci dans les aires à l'intérieur ou au-delà des administrations nationales. Ces deux États devraient et tous les États ou organisations compétentes intergouvernementales où se trouve l'aire en question. À l'annexe 6, nous proposons sa suppression puisque cela n'est plus valide ou pertinent. Nous proposons la suppression du paragraphe du paragraphe 1C et à l'annexe 8 du paragraphe 1B. Enfin, à l'annexe 10, paragraphe 1A, l'Indonésie voudrait clarifier les choses. Nous proposons également supprimer à l'annexe 8 le paragraphe 1B et clarifier les choses à l'annexe 10. L'Indonésie remettra ses propositions au secrétariat. Merci, Monsieur le Président. Merci, Indonésie. Je prie encore une fois les parties d'être concises. Maintenant la France et ensuite le Brésil. Merci, Monsieur le Président. En complément de son intervention lors des travaux préparatoires de février dernier sur ce point à l'ordre du jour, la France souhaiterait mentionner, premièrement, le rôle important de la recherche fondamentale et appliquée dans toutes les questions relatives à la biodiversité marine et côtière, et rappelle que les Nations Unies ont désigné la décennie 2021-2030 comme celle des sciences océaniques au service du développement durable. Deuxièmement, la France est favorable à la prise en compte des conclusions des travaux scientifiques relatifs à la biodiversité marine et côtière, dont les EPSA, par les parties prenantes aux travaux actuels et futurs dans le cadre du processus dit BBNJ, y compris après son entrée en vigueur. Troisièmement, la France réitère son souhait de voir mieux prise en compte, notamment la question de l'exploitation des grands fonds marins comme facteur de pollution et de dégradation des écosystèmes marins. S'agissant de la première partie de la recommandation qui concerne les EPSA, la France soutient les modalités proposées de modification de la description des aires marines d'importance écologique ou biologique et de description de nouvelles aires. Elle indique toutefois que, s'agissant des zones à cheval entre une zone sous juridiction et la haute mer, la description ou la modification de description de l'EPSA devrait, pour la partie située en haute mer, relever de tout État et ou organisation intergouvernementale compétente en collaboration avec le ou les États dans lesquels se trouve l'autre partie de la zone. S'agissant de la deuxième partie de la recommandation qui concerne les autres sujets, la France suggère d'en faire une recommandation à part entière dédiée à la conservation de la biodiversité marine et côtière, ce qui permettrait d'aborder les autres sujets de préoccupation, entre autres
le bruit sous-marin, les déchets marins, les écosystèmes particulièrement vulnérables et revêtant une importance particulière dans la lutte contre le changement climatique, l'intégration des considérations relatives à la biodiversité dans les pêcheries, le nexus biodiversité-océan-climat, l'exploitation des fonds marins et la coopération avec les autres conventions pertinentes. À cet égard, la France insiste sur la nécessité pour le secrétariat de travailler avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture afin de soutenir les efforts visant à intégrer les considérations relatives à la biodiversité dans les pêcheries, y compris en développant des lignes directrices volontaires sur l'identification et l'application de mesures efficaces de conservation par zone dans les pêcheries. Merci, Monsieur le Président. Merci, la France. Now I'll give the floor to Brazil. Je donne la parole au Brésil. Vous avez la parole, Brésil. Merci. C'est un plaisir de participer à cette réunion officielle à la suite de nos déclarations de la réunion virtuelle. Nous attirons l'attention sur les options pour la modification des descriptions d'EPSA. Nous notons avec préoccupation que lors de la réunion des groupes d'experts en février, il n'y a pas eu de temps de discuter les modalités proposées dans le rapport de l'atelier des experts. Nous pensons donc qu'il y a lieu de les améliorer. Pour ce qui est de l'annexe 9 sur les EPSA sous juridiction nationale ou partagée, nous pensons qu'on ne peut pas appliquer les mêmes critères aux deux types de zones sous juridiction ou non sous juridiction. Donc le Brésil demande au secrétariat des éclaircissements pour ce qui est du mandat du groupe consultatif proposé, parce qu'il faut bien comprendre dans quelles conditions le secrétariat recevra les conseils de ce groupe consultatif. Le Brésil souhaite aussi des précisions quant aux responsabilités de ce groupe consultatif. Ce doit être clairement lié aux modalités de modification des EPSA. Il faut un mandat souple pour permettre la participation d'experts des régions où se trouvent ces EPSA au cas par cas. Le Brésil estime aussi que l'on doit reconnaître les droits souverains des parlements conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Il faut aussi tenir compte de la conférence sur les BBNG qui doit porter sur la conservation des ressources au-delà de la juridiction nationale, et il faut tenir compte des résultats de ce processus concernant la biodiversité au-delà de la juridiction nationale. Merci, j'ai été déconnectée, mais maintenant je suis de retour, c'est le président. Donc maintenant, nous allons prendre une pause de 15 minutes. Je pense que nous avançons bien. Donc maintenant, Maldives, Chili et Colombie. Donc, 15 minutes de pause et nous allons poursuivre par la suite. Nous nous revoyons dans 15 minutes.
tour, chers collègues. Donc, nous allons entendre les Maldives, ensuite le Chili et la Colombie. Maldives, vous avez la parole. Merci. Nous soulignons l'importance du transfert de technologies et de connaissances et le renforcement des capacités en ce qui concerne les EPSA, surtout pour les petits États insulaires en développement. En vertu de l'initiative des océans durables, nous avons accueilli un atelier portant sur la protection des EPSA. Nous soulignons le besoin d'avoir d'autres initiatives de ce genre et nous remercions tous ceux qui ont participé. Les EPSA permettent de protéger les écosystèmes et ils peuvent être reconnus à l'échelle mondiale comme aires d'importance. En tant que pays insulaire, nous pensons qu'il faut assurer des efforts mondiaux pour la gestion et la conservation de la biodiversité insulaire. Nous reconnaissons aussi le rôle des EPSA en tant que dépôt de biodiversité importante. L'interprète souhaite signaler qu'elle n'entend pas vraiment les Maldives, étant donné la mauvaise connexion. Merci. Merci, Maldives. Maintenant, le Chili, ensuite la Colombie. Chili, vous avez la parole. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Nous souhaitons ajouter aux commentaires faits pendant les sessions informelles. Nous pouvons appuyer le rapport sur les progrès à l'égard des EPSA ainsi que les propositions de recommandation. Le Chili est d'accord qu'il faut faire ressortir l'importance de définir ces EPSA en tant qu'outils complémentaires pour la conservation de la biodiversité. Monsieur le Président, la conservation des océans est une priorité pour nos pays. Voilà pourquoi, depuis 8 ans, nous travaillons très fort à déclarer et à mettre en œuvre des aires protégées. Le Chili exprime son engagement envers la cible de protéger 30% des océans pour l'année 2030. Et il faut donc que ce soit pris en compte dans le cadre pour l'après-2020. Pourriez-vous ralentir, s'il vous plaît? Très bien. Donc, nous souhaitons exprimer notre engagement envers la cible de protéger 30% des océans pour 2030, un sujet fondamental, et il faut qu'il soit inclus dans le cadre pour l'après 2020. Et cela fait partie des objectifs de la coalition de haute ambition pour la nature et les peuples. Il faut donc poursuivre le travail d'identification des EPSA afin qu'il y ait clarté scientifique des EPSA pertinentes au niveau mondial. Récemment, le Chili a annoncé qu'il entamerait des efforts pour créer une aire marine protégée en haute mer, la cordillère de Nazca, car nous souhaitons en faire une EPSA. Nous espérons que cela servira d'exemple pour que d'autres États et acteurs internationaux détermine des stratégies pour protéger de façon efficace ces EPSA, car elles sont prioritaires pour l'avenir du monde et des écosystèmes. Il est urgent de mettre en place des mesures qui améliorent les conditions des écosystèmes sur une base scientifique. Nous devons donc passer des engagements théoriques à une action tangible, ambitieuse, pour ce qui est de la rédaction des textes. Et donc, le Chili souhaite faire des commentaires spécifiques au sujet des propositions de recommandations et nous les ferons parvenir par écrit.
puisque nous manquons de temps. Merci beaucoup, le Chili, merci. Maintenant, Colombie, suivi du Maroc et de Samoa. Colombie, vous avez la parole. You hear me, Mr. Chair? Est-ce que vous m'entendez, Monsieur le Président? Allez-y, Colombie. Merci, Monsieur le Président. La Colombie réaffirme son engagement vers la conservation, l'utilisation durable de la biodiversité marine et côtière. Nous estimons crucial d'inclure de façon plus ferme les questions marines dans le GBF. Par conséquent, en tant que membre de la coalition de haute ambition, la Colombie appuie la proposition de protéger au moins 30% des océans de la planète, y compris les EPSA et OECM. S'agissant du document 24/6, la Colombie estime qu'il faut continuer d'identifier les EPSA en tant qu'exercice technique et scientifique, conformément aux travaux du groupe consultatif informel sur les EPSA. Toutefois, nous estimons qu'il ne convient pas, au cours de ces négociations, d'inclure la recommandation de l'annexe 3, paragraphe 1E, sur la modification des critères des EPSA. L'interprète a perdu le lien avec la Colombie. Elle est revenue. Nous souhaitons exprimer nos profondes préoccupations à l'égard des recommandations du document qui sont malheureusement limitées à donner un mandat au groupe sur les EPSA. La Colombie, en tant que pays le plus mégadivers dans le monde par kilomètre carré, ayant une vaste biodiversité marine, océanique, prit les parties d'accorder le plus haut de niveau de priorité au rôle clé des océans et leur potentiel extraordinaire de nous aider à faire face à la crise planétaire. Le substat ne doit pas non seulement se concentrer sur la modification des descriptions des EPSA, mais devrait aussi fournir des conseils aux parties sur les éléments pertinents relatifs à la biodiversité marine et côtière dans le GBF selon les priorités identifiées lors de l'atelier thématique de 2019. Monsieur le Président, si les questions marines ne sont données, abordées qu'à titre d'information, nous évitons de prendre des mesures qui doivent être prises de toute urgence pour protéger nos océans. Nous convenons des décisions passées de la COP, comme la décision 10-29, d'approfondir la compréhension de la contribution des océans à l'atténuation, adaptation au changement climatique en tant que solution fondée sur la nature pour relever ce défi et d'autres défis. Nous nous félicitons des travaux de l'initiative des océans durables et demandons coordination avec d'autres processus internationaux comme le processus pour l'évaluation de l'état de l'environnement marin et la décennie pour le développement durable des sciences océaniques. La Colombie rappelle que la Convention sur le droit de la mer n'est pas le seul instrument juridique qui régit les activités dans les océans. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Colombie. Et je voudrais rappeler aux parties que le document se rapporte à la discussion relative aux EPSA. Et pour ce qui est de la question de la biodiversité marine et pour ce qui est du cadre mondial pour l'après 2020, cela sera abordé plutôt dans le contexte du point 3. Maintenant, je donne la parole au Maroc et ensuite Samoa et Bangladesh. Maroc, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le Maroc considère que eu égard à la nouveauté du concept EPSA, il est certain que des critères n'ont pas été pris en compte au premier stade d'identification et de description de certaines de ces zones, et que certaines d'entre elles n'ont pas été purement et simplement identifiées dans cette première phase.
ce qui, à notre sens, justifie pleinement l'appel de la décision proposée concernant les modalités de modification des descriptions des EPSA et de description des nouvelles aires. Aussi, il y a lieu d'encourager une collaboration plus poussée entre le secrétariat et les organisations concernées, et ce afin de faciliter faciliter l'identification des zones qui remplissent les critères des EPSA. Pour toutes ces raisons, nous considérons qu'il est important de prolonger le mandat du groupe consultatif informel sur les EPSA afin de pouvoir modifier la description de ces aires et de pouvoir également en identifier et décrire d'autres. Monsieur le Président, en ce qui concerne les débris marins, les déchets et les microplastiques en milieu marin, leurs dimensions et leur ampleur nécessitent un effort considérable de la part de la communauté internationale pour atténuer les effets néfastes de ce fléau. Il en est de même pour les bruits sous-marins d'origine humaine et la planification spatiale marine pour lesquels la secrétaire exécutive est vivement convié à poursuivre les travaux sur la compilation et la synthèse des informations portant sur ces questions. Sur ce point de l'ordre du jour 6, qui traite plusieurs questions qui sont approchées par de nombreux objectifs et cibles prévues dans le cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020. À ce titre, le Maroc souligne l'importance de la première cible du cadre mondial portant sur l'aménagement du territoire et qui fournit une base précieuse pour d'autres actions, notamment la planification de l'espace marin. Concernant la seconde cible portant sur le progrès dans la couverture spatiale d'aires protégées, en particulier les aires marines protégées, nous voulons attirer l'attention sur le besoin d'avoir non seulement un indicateur global sur le taux de couverture spatiale, mais aussi des éléments pour la surveillance et le suivi de l'abondance spécifique dans les espaces protégés. Muchas gracias, señor presidente. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci, Maroc. Maintenant, Samoa à la parole. Samoa. Followed by Bangladesh. Ensuite, le Bangladesh. Donc, Samoa a disparu de la liste. Donc, en attendant, je vais donner la parole au Bangladesh. Merci, Président. Tout d'abord, le Bangladesh remercie et d'accord avec le groupe consultatif informel et le groupe de travail à composition non limitée sur le GBF et le secrétariat de leurs travaux sur les EPSA. Le Bangladesh fait part à de larges écosystèmes marins et aussi des récifs coralliens. Nos écosystèmes marins et côtiers font face à des pressions énormes de nature anthropique, étant donné que la biodiversité marine relève des juridictions nationales. Il faudrait qu'il y ait coordination à l'échelle régionale, partage d'informations, de connaissances, c'est très important pour assurer la conservation, l'utilisation durable de ces aires. Ma délégation souhaite souligner l'importance du renforcement des capacités dans les pays en développement, transfert de technologies en matière de planification spatiale, cartographie, surveillance des zones marines et aussi gestion qui permettra la restauration, la conservation des écosystèmes marins et côtiers.
qui relèvent de la juridiction nationale. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous et toutes. Merci, Bangladesh, d'avoir été concis. Maintenant, Samoa, ensuite Suède et Espagne. Samoa. Donc, la Suède. Merci, Monsieur le Président. Nous pourrions, dans le sens de nos déclarations, lors des réunions virtuelles, nous voudrions dire que pour ce qui est du document 6, nous pensons qu'il faudrait scinder le texte en deux recommandations, partie A, EBSAS, partie 2, conservation de la biodiversité marine et côtière. Il est important de faire ressortir les deux sujets, soulignant l'importance des questions ayant trait à la conservation de la biodiversité marine et côtière. La Suède se félicite du rapport de l'atelier thématique sur les EPSA ou une base solide pour renforcer l'examen des questions marines dans le GPF et mise à jour du programme de travail actuel afin d'appuyer la mise en œuvre du GPF. Dans ce contexte, la Suède souligne l'importance d'outils de gestion au niveau des EPSA afin de restaurer la biodiversité marine et accroître la résilience au changement climatique. La science est claire, il faut protéger au moins 30% des océans de la planète pour préserver la biodiversité, les services écosystémiques et aussi la qualité de cette protection, y compris la connectivité et gestion efficace et équitable. C'est aussi important que la couverture de ces aires. Nous soulignons aussi le besoin d'appliquer une gestion écosystémique, y compris pour ce qui est des pêches. Pour ce qui est des EPSA décrits dans les annexes, nous soutenons l'intervention de la Belgique et nous sommes d'avis qu'un processus plus flexible avec deux voies, celle de l'inventaire et du partage, est une bonne façon de faire. Nous soutenons la proposition qui prévoit l'actualisation du mandat du groupe informel sur les EPSA. Merci. Merci à la Suède. Je donne la parole à l'Espagne, suivie de la Malaisie. Distingué président, l'Espagne réitère les commentaires formulés lors de la session informelle du SOPSTA. Nous souhaitons exprimer notre soutien pour les propositions faites par certaines parties lors des sessions informelles au sujet des deux voies, en fait des deux projets de recommandation, une qui traite précisément de la conservation de la biodiversité marine et côtière, et nous allons acheminer nos commentaires précis et propositions d'amendement sur cette recommandation par écrit. Alors, merci beaucoup. La Malaisie a la parole maintenant. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Distingué délégué, la Malaisie souhaite faire une courte intervention sur ce point. La région Asie-Pacifique, dont nous faisons partie, accueille la plus grande biodiversité marine. Nous soutenons donc l'annexe 1 jusqu'à l'annexe 14 qui traite des modalités pour la modification des descriptions des EPSA et pour la description de nouvelles aires. La Malaisie appuie également
terme ou l'approlongement du mandat du groupe consultatif, puisque davantage doit être fait pour terminer cette initiative et finaliser le document. Merci, merci à la Malaisie. Je donne la parole à l'Argentine, suivie de l'Afrique du Sud. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Notre délégation réitère le commentaire fait au mois de février. Nous vous remercions de nous permettre de faire des commentaires sur ce point à l'ordre du jour. S'agissant de ce point ou du document, nous accueillons les progrès sur cette question grâce à votre leadership. Nous souhaitons donc faire deux commentaires importants pour notre délégation. Au sujet du projet de décision, nous souhaitons souligner deux aspects que nous considérons importants. D'abord, priorité devrait être donnée au fait que dans le texte, il devrait y avoir une référence à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, puisque toutes les décisions de la COP relatives au EPSAS le font dans la mesure où cet instrument constitue un cadre normatif qui régit toutes les activités dans les océans et les mers, y compris la protection du milieu marin. Tandis que la convention, la CBD se limite à apporter une contribution scientifique par la description des EPSA sans avoir de mandat de réglementer la gestion et la conservation des eaux au-delà des juridictions nationales, comme nous l'avons déjà souligné lors de l'atelier de Bruxelles. Deuxième point. Nous devons inclure une référence de mesures de sauvegarde en ce qui concerne les conflits de souveraineté. À cet égard, nous soumettrons par écrit des suggestions d'amendements au projet de décision sous-mentionné, ainsi que des propositions d'ajustement rédactionnel aux paragraphes 5 et 8 et sur d'autres questions. Nous sommes d'accord avec le Brésil, à savoir que nous devons reconnaître la souveraineté, les droits de souveraineté de ces États côtiers. L'Argentine continuera à avoir une approche constructive des négociations en cherchant un consensus entre les délégations participantes. Merci beaucoup, merci Argentine. Afrique du Sud, suivi de la Chine et du Royaume-Uni. Merci. Nous remercions le secrétariat pour la préparation du document 24 SIC sur la biodiversité marine et côtière et à examiner les progrès faits dans ce domaine. Et sur d'autres questions, nous saluons les modalités pour la modification de la description des EPSAS et pour la description de nouveaux EPSAS figurant à l'annexe 1.14 ici en adopté, cela prévoira un mécanisme d'actualisation des EPSA au sein de l'inventaire. Pour ce qui est de la modification des EPSA pour les raisons énumérées à l'annexe 3, il convient de noter que dans un nombre limité de cas, la réévaluation d'un EPSA existant peut aboutir à ce qu'une zone, une aire ne remplisse plus les critères. Par conséquent, la modification devrait inclure explicitement le retrait éventuel d'un EPSA de la liste existante dans le référentiel ou l'inventaire s'il est clairement démontré qu'il ne correspond plus aux critères sur la base d'informations révisées sur la biodiversité ou d'erreurs dans l'identification. Cela favoriserait, à notre avis, le processus de planification qui répond aux meilleures les connaissances scientifiques. En ce qui concerne la recommandation 4 relative aux zones marines d'importance écologique, donc les EPSA concernant l'élaboration de lignes directrices volontaires sur le processus d'examen par les pairs pour l'identification de nouveaux EPSA, nous suggérons qu'il serait plus correct et cohérent de remplacer le mot « identification » par « description ». Nous aimerions également suggérer que le mécanisme de partage de l'information, tel que mentionné à l'annexe 2, contienne des informations sur les expériences des États et des organisations dans l'assimilation des EPSAS dans leur processus de politique, de gestion, tel que la planification de l'espace marin, l'expansion des aires marines protégées ou d'autres processus. Ceci s'ajoute à nos commentaires précédents. Faites en février, les commentaires et révisions ci-dessus seront fournis par écrit au secrétariat. Merci. Merci à l'Afrique du Sud. Samoa,
Samoa, êtes-vous là? Samoa? Continuons avec la Chine suivie du Royaume-Uni. Chine, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes ravis de voir que sous votre leadership, le Substaff fait beaucoup de progrès. En février, la Chine a élaboré sur la relation entre la CBD et les EPSA, leur description et le travail au titre de la CBD et le droit de la mer. Nous souhaitons élaborer ici notre point de vue. Le UNCLOS fournit un cadre. Les EPSA sont conçus comme étant une question scientifique et cela minera les droits des États. La SOPSTA et la COP devraient rejeter cette proposition. De telles propositions qui ont été déposées devraient être retirées. Nous notons en décembre 2017, l'Assemblée a adopté une résolution à ce chapitre qui porte sur l'instrument contraignant pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité. La division des affaires océaniques des Nations Unies, responsable du BBNJ et de leurs négociations, a autorisé par les Nations Unies à exprimer une préoccupation quant à l'application des EPSAS. Je vous réfère à une résolution de l'Assemblée des Nations Unies à ce sujet. À l'heure actuelle, l'Organisation maritime internationale, l'Organisation de gestion des pêches régionales et les autorités internationales, il s'agit là des organisations compétentes qui sont responsables des hautes mers dans ce domaine. Ils ont établi des organes scientifiques pour décrire ces aires maritimes qui nécessitent des mesures de conservation. Il faut noter qu'à la lumière des conversations que nous avons déjà eues, la convention de CBD ne s'applique pas aux aires au-delà de leur juridiction nationale. Nous proposons donc que le SOPSTA dans le cadre de ses travaux, se conforme à l'application donc de la CBD. À ce chapitre, nous participerons activement au processus de consultation à ce chapitre. Merci, merci à la Chine. Je donne maintenant la parole au Royaume-Uni, suivi de la Corée. Merci. Les preuves scientifiques nous montrent que nous devons prendre des actions pour veiller à ce que nos océans soient bien gérés de façon durable. La deuxième évaluation des Nations Unies sur les océans nous montre que les avantages sont minés par les changements climatiques et par l'activité humaine, notamment la surpêche. En tant que présidente de l'Alliance, nous sommes engagés à veiller à ce que le cadre post-2020 reflète l'importance de l'océan. Nous saluons le document présenté et remettons le secrétariat. Le document souligne les données probantes qui visent à protéger 30% des océans et les aires protégées d'ici 2030 et l'importance de veiller à ce que ces aires soient bien gérées. C'est pourquoi le Royaume-Uni mène une alliance qui
de pays qui prévoit la protection de 30% des océans d'ici 2030. Nous souhaitons remercier tous les partis qui reconnaissent l'importance de cette cible 30 d'ici 30. Et nous saluons la participation des PACL. Tel qu'énoncé dans notre énoncé, nous notons qu'il y a encore des lacunes dans l'ajout, l'addendum 2, au sujet de la pêche et des écosystèmes, au sujet des EPSES. Nous soutenons l'information fournie dans le cadre du processus. Cela sera très utile pour la suite. Les annexes au document 24.6 fournissent des éclaircissements utiles au sujet des différents processus pour la modification de la discrétion des EPSA au-delà des juridictions des compétences nationales. Nous sommes d'accord avec l'intervention faite par le Pérou et d'autres parties au sujet de des descriptions à l'intérieur des compétences nationales. Et la question de la souveraineté. Nous devons donc le rôle de la COP devrait être limité à informer donc de ces descriptions. Nous souhaitons voir des précisions au sujet de l'annexe 6.1D et l'annexe 8.1D. Nous comprenons qu'il s'agit d'une procédure de partage de renseignements plutôt qu'un processus décisionnel. Nous saluons également, nous aimerions obtenir des précisions sur le mécanisme de partage d'informations. Nous allons soumettre toutes nos modifications et suggestions par écrit. Merci. Je donne la parole à la Corée, suivie de Lynn Rand et du Danemark. Corée. Merci, Monsieur le Président. La République de la Corée apprécie tout le travail fait par le secrétariat pour mettre en œuvre des initiatives d'océan durable. À la lumière du travail fait par le secrétariat, nous continuerons à soutenir et participer les initiatives océan durable. Depuis le début de cette initiative, la Corée fait partie des membres dédiés. Le ministre des océans et de la pêche a appuyé cette initiative, a offert des deux dialogues mondiaux et des ateliers. La Corée a eu l'honneur de tenir des dialogues mondiaux en 2016 et en 2018, respectivement. Le résultat de Seoul a été adopté en 2016 et le dialogue mondial de la SOI, donc de l'Initiative pour un océan durable, est devenu un forum biannuel où les organismes régionaux et les experts échangent et partagent des idées. La COVID-19 donc nous avons eu un troisième dialogue à Busan, en Corée, en 2020. Toutefois, la Corée, en fait, ça a été retardé. La Corée apportera tout son soutien au secrétariat pour assurer le succès du troisième dialogue mondial. En ce qui concerne les EPSA, nous remercions le secrétariat pour l'organisation de l'atelier d'experts visant à identifier les options permettant de modifier la description des zones et des aires marines d'importance écologique et biologique. Nous souhaitons également remercier le gouvernement de la Belgique et de l'Allemagne pour leur soutien à l'atelier. Notre gratitude va également aux experts qui ont participé à l'atelier. Depuis que nous avons suggéré le processus d'examen par les pairs à la COP13, la Corée participe à la réunion en vue de renforcer la crédibilité scientifique et la transparence du processus. La Corée ne cessera de contribuer au processus EPSA sur la base d'approches scientifiques, transparentes et multilatérales. Pour des options plus détaillées, nous aimerions les partager sur les annexes de 1 à 14 dans le groupe de contact qui sera organisé. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci à la Corée. Je donne maintenant la parole à l'Iran, suivi du Danemark. L'Iran.
Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. En général, nous soutenons le document proposé et nous proposons les ajustements suivants. Comme les autres parties, nous reconnaissons l'importance de la biodiversité marine et côtière, des EPSA et des OSCM et l'importance de des mesures. Un des éléments clés, Monsieur le Président, est l'importance des ressources partagées des écosystèmes. Ça doit être souligné dans ce document, puisque la protection des ressources génétiques nécessitera une collaboration et une gestion des pêches pour lutter contre les espèces envahissantes, contre la pollution des microplastiques, etc. et autres effets anthropogènes. Et donc nous devons inclure ces aspects. L'interprète signale qu'il y a un problème audio. Elle tentera de résumer les propos de l'intervenant. Il y a un bruit de fond. Le secteur public et privé pourrait soutenir des programmes de formation, mettre l'accent sur la mobilisation des ressources. Monsieur le Président, nous proposons également à ce chapitre de faire davantage en collaboration avec la FAO pour mieux gérer les ressources aquatiques en vue de mieux protéger la biodiversité. Merci à l'Iran. Je donne la parole au Danemark. Danemark, vous avez la parole. Thank you, Chair. Merci, Monsieur le Président. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. De façon complémentaire aux déclarations du mois de février, nous souhaitons ajouter les observations suivantes. La Danemark appuie les commentaires de la Belgique, Portugal, France. Nous appuyons l'amélioration de la description des EPSA. Nous reconnaissons les travaux du secrétariat pour ce qui est du document par 6 sur la biodiversité marine et côtière, mais nous estimons que ces questions sont d'une grande importance. Donc, le projet de recommandation devrait être scindé en deux. Une recommandation sur la conservation de biodiversité marine et côtière, l'autre sur les EPSA. À cet égard, nous soulignons le besoin que cela soit pris en compte dans le GBF post-2020, y compris les débris marins, les microplastiques, ce qui complétera les travaux en cours et la décision qui a été prise, qui sera prise en février 2022. Et nous appuyons les travaux sur le lien climat et océan et les questions touchant le bruit sous-marin. Pour le Danemark, cela est essentiel à la résilience des océans et respecter les cibles 1, 2 et 16. C'est important pour le Danemark. Nous appuyons la cible 2, protéger au moins 30% des terres et océans en 2030 et la coalition de la haute ambition, les Blue Leaders, souligner l'importance des EPSA. À cet égard, nous soulignons l'importance de la décision 14/8 de la CBD sur les aires protégées et les OECM. Et les questions liées
aux océans devraient prendre plus de place dans le cadre mondial pour l'après 2020. Merci, Danemark. Maintenant, Samoa, j'espère que nous pourrons vous entendre maintenant. Il semble toujours y avoir des problèmes de connexion. Le Cameroun, maintenant, vous avez la parole. Le Cameroun soutient la déclaration du groupe africain faite lors de la dernière session virtuelle sur la biodiversité marine et côtière. L'importance de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques dans la fourniture de des connaissances est essentielle à la mise en œuvre et au suivi du cadre mondial pour l'après 2020. Le Cameroun reconnaît l'importance de l'harmonisation des procédures d'identification, de description et de modification des aires marines d'importance écologique ou biologique sur la base des informations scientifiques pour une gestion durable et harmonieuse de la diversité biologique marine. Ainsi, la planification de l'espace marin constitue un processus interactif et inclusif susceptible de soutenir l'atteinte en synergie des objectifs actuels et futurs en matière de biodiversité, des objectifs de développement durable et des engagements nationaux en matière de lutte contre les changements climatiques. À cet effet, le Cameroun encourage la poursuite des efforts visant à renforcer les capacités nationales pour une meilleure amélioration significative de la planification de l'espace marin et une bonne sélection des moyens et possibilités tangibles d'améliorer la collaboration intersectorielle en vue d'une plus grande intégration de la dans le secteur. Nous encourageons également le développement et l'application souple au cas par cas d'autres mesures de conservation efficaces par zone, conformément à la décision 14/8, pour une meilleure prise en compte des écosystèmes et habitats marins critiques et vulnérables. Le Cameroun voudrait mettre une emphase particulière sur l'urgence de protection de la biodiversité et de restauration des écosystèmes marins qui ne sont pas toujours bien reflétés et pris en compte. Ceci passe par l'intégration d'un paragraphe sur la coopération et la collaboration pour les écosystèmes marins. Par ailleurs, nous voulons relever l'importance de soutenir les efforts de la mise en œuvre du plan de travail spécifique volontaire sur la diversité biologique dans les zones d'eau froide relevant du champ d'application de la Convention. En ce qui concerne particulièrement la problématique de la pollution des mers par les plastiques, le Cameroun pense qu'il est souhaitable qu'une solution soit apportée. Cameroun, please conclude. Merci, Monsieur le Président. Merci, Cameroun. Let's give the last try with Samoa. Donc, tout dernier essai avec le sommet Samoa qui apparaît et disparaît dans mon écran. Samoa, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Sinon, nous en avons terminé pour ce qui est des demandes de parole des parties. Il nous reste une demi-heure, donc nous pourrions tenter de passer au point suivant. On me dit
de ne pas entendre les interventions des observateurs, mais nous avons reçu les déclarations BirdLife, GYBN, Géobonne, l'IFB, PNUE, Université des Nations Unies, WECF et Soledad. Donc, toutes ces déclarations seront prises en compte lors des travaux au titre de ce point, ainsi que toutes les déclarations faites aujourd'hui. Mais nous devons mettre fin à l'examen de ce point, chers collègues. Je vois aussi déclaration de la FAO. Donc, nous venons de terminer la première lecture du point 6 et nous avons une discussion riche sur de nombreux enjeux, mais il y a aussi divergence d'opinion qui mérite discussion. Je propose donc de créer un groupe de contact qui aidera à élaborer un document, un CRP. Le groupe de contact se réunira lundi et mardi, les 10 et 11 mai, pendant 3 heures chaque jour, de 7 à 10 heures heure de Montréal. Le groupe de contact sera présidé par Madame Marimé Mozungele des Seychelles et Monsieur Matthias Steitz de l'Allemagne. Le groupe de contact a le mandat suivant. En se fondant sur les interventions entendues au cours de la présente session et des sessions du 24 et 25 février, le groupe de contact discutera des annexes 6, 8, 11 et 13 du projet de recommandation. Le CRP, au titre du point 6 de l'ordre du jour, sera examiné le 25 mai, le mardi, lors de la cinquième plénière du SOPSTA et sera disponible dans toutes les langues au moins 48 heures avant cette séance plénière. Nous reprendrons nos travaux à 7 heures. Donc, puisque nous avons pu gagner un peu de temps, nous pouvons passer au point 8, le programme de travail de l'IPES. Et ce point n'a pas été abordé pendant la session informelle du SOPSTA. Nous n'avions pas eu de temps. Par conséquent, nous allons entamer maintenant la première lecture de ce point. Je donne donc la parole au secrétariat qui nous présentera le point 8 et le document qui s'y rapporte. Vous m'entendez? Merci, Président. Pour faciliter les délibérations au titre du point 8 sur le programme de travail de la plateforme scientifique politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, la secrétaire exécutive a préparé le document CBD/SOPSTA/24/8. Ce document contient, dans la section 5, une recommandation proposée à l'examen du SOPSTA. Le document d'information suivant peut aussi être pertinent. Il s'agit du CBD SOPSTA 24 INF 17. Merci, Monsieur le Président. Merci, secrétariat. Donc, le débat est ouvert pour les interventions au titre du point 8, donc d'abord les groupes régionaux, ensuite les partis, ensuite les observateurs.
Donc, tout d'abord, les groupes régionaux. Levez la main. Je vois la Serbie. Vous avez la parole, Serbie. Merci. Vous m'entendez? Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, puisque la Serbie s'est joint à l'EPES en juin 2020, permettez-moi de prendre la parole au nom de la région des PECO. La région des PECO remercie le secrétariat d'avoir préparé le document 8 et les autres documents d'information. Notre région souhaite souligner sa satisfaction à l'égard des travaux complémentaires de la CDB et de l'IPES. Nous estimons que l'IPES aide les parties de la CBD à accélérer les progrès dans l'atteinte des objectifs en matière de biodiversité ainsi que les obligations découlant des ODD et de l'accord de Paris sur les changements climatiques. Même à ce stade, quand les discussions sur les objectifs prioritaires pour 2030 sont en cours, les conclusions complémentaires de l'évaluation de l'EPES et du GBO représentent des informations fondamentales qui donnent des orientations quant aux changements nécessaires dans la société. À cet égard, la région des PECO appuie les recommandations proposées de façon générale, mais nous souhaitons aussi exprimer le besoin de mieux promouvoir les travaux complémentaires de l'IPES et de la CDB dans les pays de la région des PECO. Nous soulignons l'importance de la coopération entre toutes les parties au niveau régional et subrégional. Par exemple, la coopération dans le contexte du groupe de travail sur la biodiversité de l'Europe du Sud-Est, nous a permis de traduire les cibles, les objectifs d'Aichi dans des politiques et des projets coordonnés afin d'évaluer les avantages découlant des services écosystémiques, d'améliorer le suivi et le rapportage de la biodiversité et faciliter la mobilisation de ressources. Nous espérons maintenir cette coopération régional au niveau des experts et de la politique publique dans la mise en œuvre du GBF post-2020. À notre avis, il est important que les secrétariats de la CDB et de l'IPES envisagent d'autres options afin d'avoir une plus large participation des parties prenantes, y compris les PACL, et aussi une meilleure participation du milieu scientifique en général, à l'appui des décideurs au niveau national et régional. Et à cet égard, nous souhaitons transmettre un message à la conférence des parties de la CDB et inclure le milieu universitaire dans le texte des recommandations proposées. Et nous allons remettre au secrétariat un libellé de changement pour ce qui est du paragraphe 8. Merci, Président. Merci, Serbie. Au nom des pays d'Europe centrale et orientale, les PECO. Maintenant, je vous rappelle, nous en sommes aux déclarations des groupes régionaux. Et maintenant, je vois l'Afrique du Sud ou le Maroc. Donc, laquelle des deux délégations parle au nom de l'Afrique? C'est l'Afrique du Sud. Donc, vous avez la parole, Afrique du Sud. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Afrique du Sud, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. L'Afrique du Sud fait cette déclaration au nom du groupe africain. L'Afrique se félicite des progrès réalisés par l'IPES dans la mise en œuvre de son programme de travail. L'Afrique reconnaît aussi la contribution importante de l'IPES aux travaux de la Convention, notamment la compilation du GBO 5, l'élaboration du GBF post-2020. L'Afrique en appelle à une
un renforcement robuste des capacités afin d'habiliter les correspondants nationaux et autres représentants qui pourront participer à l'évaluation mondiale. Ainsi, on pourra identifier les lacunes, renforcer les évaluations régionales et orienter les mesures de conservation afin d'atteindre la vision de vivre en harmonie en 2050. Il est aussi crucial que les résultats de ces évaluations soient traduits dans et vulgarisés. Désolé, donc il est aussi crucial que les résultats de ces évaluations soient traduits et simplifiés afin d'être plus conviviaux, comme il est signalé au paragraphe 24 du document 24/8, l'IPBES a décidé de réexaminer lors de sa 9e session les demandes, les contributions et suggestions reçues à temps pour être prises en compte lors de cette session, y compris pour ce qui est d'une deuxième évaluation mondiale de la biodiversité des services écosystémiques et évaluation de la connectivité écologique. Bien que le document 8 note qu'il y aura un réexamen de la connectivité écologique, le projet de décision qui est proposé dans ce document ne comprend pas de texte à l'appui d'une évaluation de la connectivité, se concentre sur la deuxième évaluation mondiale qui sera publiée en 2029. L'Afrique propose d'ajouter ce qui suit au paragraphe 5 du projet de recommandation, donc inviter la plateforme à préparer une évaluation de la connectivité écologique, invite la plateforme à préparer une évaluation de la connectivité. L'Afrique se félicite de la coopération entre l'IPBES et le GIEC. Et l'interprète a perdu la connexion avec l'Afrique du Sud. Il semble y avoir un problème de connexion avec l'Afrique du Sud. Nous avons des problèmes de connectivité avec l'Afrique du Sud, dit le président. Le président est en sourdine. L'interprète n'entend pas l'intervention du président. Nous allons poursuivre. Nous passerons aux partis qui ont demandé la parole. La Suisse, suivie du Mexique et du Brésil. Cher Président, nous considérons le travail de l'IBES très important. La CBD peut profiter du travail scientifique fait par l'IBES et ses experts. Les rapports de l'IBES présentent une base scientifique pour les discussions à la CBD pour traiter de la crise climatique. Et nous accueillons et saluons les rapports qui répondent aux besoins des parties à la Convention. Nous soutenons également le travail de l'IBES sur d'autres sujets tels que les valeurs de biodiversité, les EEE, les changements transformateurs et la biodiversité et le monde des affaires.
Nous souhaitons encourager la collaboration entre l'IBC et les IPCC. Il y a eu un atelier qui a eu lieu sur cette question en 2020. Les parties de la CBD devraient demander à l'IBES de fournir des informations scientifiques relativement au GBF post-2020, notamment dans le contexte de son programme en cours et ses évaluations mondiales à venir. Nous saluons également l'importance d'avoir un point permanent consacré à l'IBES. Nous croyons que à l'image de ce que d'autres font, une méthodologie devrait être fournie, élaborer des indicateurs, des références utilisées pour le suivi et les examens par les parties au titre de la Convention et des méthodologies pour évaluer le statut et les tendances de la biodiversité et des services écosystémiques, tels que recommandés pour traiter de la question de la perte de la biodiversité et de ses indicateurs. Cela nous permettrait de mieux mettre en œuvre le GBF post-2020 en plus des rapports des parties. Nous allons soumettre nos propositions de changement par écrit. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup à la Suisse. Je donne la parole. Ma liste bouge. J'ai dit au Brésil et au Mexique, suivi du Japon. Brésil, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un plaisir de participer à cette session formelle. Nous félicitons la Convention pour ses efforts de collaboration avec l'IBES au cours de la dernière décennie. Il y a bon nombre d'exemples de collaboration entre les deux forums qui nous permettent une meilleure mise en œuvre des rapports d'évaluation. L'IBES travaille à la lumière des décisions de la COP et cela nous permet de déclarer certains aspects et cela permet de mobiliser l'importance et l'attention des médias, des décideurs. Toutefois, nous considérons que cette synergie est importante. Il est toutefois important que la portée de chaque forum soit préservée, pas seulement pour des raisons de fonction, éviter le chevauchement et les doubles emplois. Nous devons respecter les mandats afin de respecter la légitimité de chacun des mandats. Les sujets peuvent être les mêmes. L'IBES et la CBD sont des entreprises différentes. Chacun a sa propre dynamique, ses propres membres. Nous sommes préoccupés de l'atteinte sur les mandats. Pour ce qui est des recommandations, nous avons deux commentaires à faire sur deux paragraphes. Le travail fait sur la biodiversité et la pandémie qui a eu lieu et dont on fait référence au paragraphe 3 doit être pris pour ce qui a été. Ça a été l'occasion pour les experts d'échanger leur opinion sur le sujet. Le lien entre la biodiversité et les pandémies nécessite des données scientifiques. Ce n'était pas l'objectif de l'atelier qui a eu lieu. Nous devons faire davantage et l'amener. Il est prématuré de prendre des décisions et de considérer cela dans le GBF post-2020. Les recommandations de l'atelier n'ont pas été adoptées par les parties. Rappelons-le au paragraphe 6. Nous croyons qu'il est inapproprié d'ajouter donc un organe à la plateforme et de fournir. Et l'IBES doit déjà produire des évaluations, rappelons-le, et qui devront être remises entre 22 et 23. Il est inadéquat de demander davantage de faire donc le suivi du GBF au titre du point 3. Nous souhaitons donc contribuer davantage à ce chapitre ultérieurement. Merci Brésil. Je donne la parole au Mexique. Suivi du Japon, Mexique. Monsieur le Président, la délégation du Mexique reconnaît l'importance faite
et du travail fait par l'IBES pour soutenir les décisions prises en matière de services écosystémiques. Sa contribution est très importante pour les conventions écologiques, notamment la CBD. Nous saluons la nature flexible du programme de travail jusqu'à 2030. Cela permettra au IBES de traiter des questions pertinentes, comme c'était le cas au mois de juillet 2020, lorsque, en réponse à la pandémie, il y a eu un atelier qui a été organisé. Nous soutenons également que dans le cadre du programme de travail, il devrait y avoir une deuxième évaluation mondiale pour soutenir la mise en œuvre du GBF post-2020 et la vision 2050. En se fondant sur les résultats de l'évaluation thématique de l'IBES et le 17e rapport de la CBD ainsi que les études nationales et les évaluations afin que nous puissions avoir un processus sans heurts s'agissant de cette évaluation mondiale. Nous souhaitons pouvoir être en mesure d'avoir ce rapport conjoint du IPCC et de l'IBES pour que nous puissions avoir des éléments scientifiques pour aborder ces enjeux d'une façon plus intégrée. La délégation du Mexique reconnaît l'importance de soutien technique et financier pour élaborer les évaluations et nous considérons que ce soutien devrait être prolongé pour couvrir les efforts qui sont entrepris pour créer et renforcer les plateformes de biodiversité nationale. D'entrée de jeu, avec l'IBES, le Mexique a toujours été un allié et a promu la plateforme pour soutenir les décisions, les décideurs et les différents environnements, accords multilatéraux en matière d'environnement. Nous soutenons les résultats qui sont engendrés par l'IBES et nous réitérons notre engagement à collaborer sur les efforts déployés par la CBD et l'IBES. Merci. Je donne la parole à l'Argentine maintenant. En fait, le Japon a la parole. Merci de me donner la parole. Nous souhaitons nous prononcer sur le plan de travail de l'IBES. Nous avons lu le document du secrétariat. Une bonne coopération avec l'IBES est importante à la lumière de la mise en œuvre du GBS post-2020. C'est également essentiel pour atteindre la vision 2050, de vivre en harmonie avec la nature, notamment le deuxième évaluation de la biodiversité et des services écosystémiques contribuant à l'examen du GBF post-2020 et à la considération des cadres futurs qui sont prévus. À cette fin, nous soutenons la mise en œuvre de la deuxième évaluation de l'IBES. D'autre part, s'agissant de l'examen des cibles et des objectifs du GBF, nous devons améliorer l'efficacité et éviter les chevauchements au sujet du paragraphe A sur la responsabilité des mécanismes de suivi, notamment on devrait préciser les choses pour qu'on voit une différence dans les rôles entre les deux organismes. En plus, en sujet du paragraphe 6, nous aimerions demander au secrétariat de fournir des détails avant la COP15 sur le rôle attendu de l'IBES. Cela est dû au fait que certaines parties ont réalisé ce type de suivi et de rapport et que certaines organisations internationales ont soutenu ces activités. En ce qui concerne le groupe l'ARTEG sur les indicateurs, ce qui est proposé au point 3, nous devons utiliser les cadres existants dotés d'une expertise technique comme l'IBES. Par conséquent, nous aimerions inviter l'IBES à envisager la possibilité de jouer le rôle de ARTEG, du groupe d'experts et de faire rapport à la COP15 afin que les parties puissent examiner s'il convient d'établir le groupe dans le cadre de la CBD. Nous allons proposer nos recommandations
nos amendements de recommandation plus tard. Merci. Merci au Japon. Je donne la parole à l'Argentine. L'Argentine, vous avez la parole. Monsieur le Président, l'Argentine vous remercie de participer sur ce point à l'ordre du jour sur le travail de l'IPES. Nous avons des commentaires à formuler sur le document CBD Substat 24.8. D'abord, nous proposons qu'au paragraphe 3 et 4, nous devons noter le lien entre la biodiversité et les changements climatiques et la biodiversité et la pandémie, puisque ces rapports, comme on l'a déjà dit, n'ont pas été considérés par les membres de l'IBES. En ce qui concerne le processus d'évaluation du lien entre les évaluations et le changement climatique, nous recommandons que la conférence des parties prenne note des progrès accomplis. Et étant donné que la plénière se tiendra à une date antérieure, qu'elle prenne note de son lancement, nous proposons de modifier le paragraphe 4 pour faire en sorte qu'il y ait une approche plus cohérente et respecter les mandats des deux plateformes. Finalement, au paragraphe 5, nous suggérons d'ajouter des recommandations relatives à l'élaboration de la deuxième évaluation globale ou mondiale. Nous considérons qu'il est important de souligner l'importance de la participation des experts publics dans l'élaboration notamment souligner les défis des pays en développement. L'interprète signale que la ligne coupe. Nous pourrons donc inclure des études qui couvrent les pertes de délégations antérieures depuis l'époque industrielle. Il y a eu bon nombre de contributions par la communauté scientifique. Nous espérons que ces commentaires seront pris en compte pour augmenter la pertinence des livrables de l'IBES au processus de la Convention. Monsieur le Président, nous allons acheminer nos commentaires par écrit. Merci, monsieur. Merci beaucoup. De nous envoyer ces commentaires par écrit, chers collègues. Nous devons conclure. Il y a encore une liste d'orateurs qui ont demandé la parole. Je vais lire cette liste pour que nous puissions poursuivre lors de notre prochaine session. Alors, j'ai sur ma liste la Finlande, suivie du Cambodge, de la Belgique, du Portugal, de la Colombie, de la Norvège, le Maroc, le Canada, l'Union européenne, l'Espagne, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, le Chili, la Bosnie-Herzégovine, la Chine, l'Indonésie, le Pérou, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie. Et l'Équateur également. Donc, je demande au secrétariat de garder cette liste pour que nous puissions reprendre les interventions de la part des parties lors de notre prochaine rencontre. Je souhaite également vous rappeler et vous remercier pour votre coopération. Nous avons gagné du temps. Et nous avons bien progressé, en fait. Les observateurs, rappelons-le, qui n'ont pas pris la parole, étant donné les limites de temps, ceux-ci peuvent participer au groupe de contact sur la biodiversité marine et côtière. Veuillez nous faire parvenir vos déclarations avant la fin
avant la fermeture des heures de bureau, heure de Montréal, et je veillerai à que tous les commentaires soient dûment pris en compte. Et nous pourrons ainsi poursuivre notre dialogue de façon constructive. Je vous remercie de votre coopération sur ces questions. Je salue la participation active de tous, mais comme vous le savez, notre temps semble limité. Nous devons faire des concessions. Je souhaite également vous rappeler, le rappeler aux délégués, de regarder l'horaire. Qui porte sur les réunions, qui présente l'horaire actualisé de nos plénières et l'horaire des groupes de contact. On y voit également les points à l'ordre du jour qui seront adressés, qui seront abordés lors des plénières. Il me reste 2 minutes. Alors, nous allons poursuivre. J'aimerais vous rappeler que nous nous réunirons à nouveau en plénière le dimanche 23 mai à 7h, heure de Montréal. Nous terminerons le point 6 et nous aborderons également les points 7, 10 sur les EEE et le point 8. Je ne sais pas si le secrétariat souhaite intervenir ou dire quelque chose avant de lever la séance. Non, merci. Monsieur le Président, j'aimerais rappeler aux collègues de l'horaire pour le reste de la semaine. Le mercredi, donc de midi à 3h, nous aurons une première séance du groupe de contact qui se penche sur le point 3. Même chose. Jeudi, vendredi, et ensuite samedi, on a une réunion du groupe en avant-midi et mardi et lundi, donc lundi prochain, donc nous nous consacrerons au groupe de contact qui se réunira de 7 à 10 heures, heure de Montréal, le groupe sur le point 6, on ne se réunira pas par la suite, étant donné le congé. Le SBI se réunira pendant la semaine du 16 mai. Très bien, merci monsieur du secrétariat. On a fait des progrès malgré notre horaire très serré. Je vous remercie de votre collaboration. Nous nous reverrons donc dimanche le 23 mai. La séance est levée. Je vous remercie.